Allez, bonjour à tous et à tous, et ici c'est Landron pour le 10e épisode déjà de ma saison hardcore en let's play sur Torchlight 2. Je me mélange un peu les pinceaux. Alors, ben, la dernière fois je vous avais laissé, on tentait d'aller au niveau inférieur du temple de la source, à moins qu'on aille au boss, je me souviens plus combien d'étages. Et on avançait tranquillement, ça se passait bien. Pour l'instant j'ai pas de retard de niveau comme la dernière fois. Ah bah voilà. Général Grell. Trouver l'endroit du boss. Oula, il est bon. Tu pouvais pas exploser sur les bêtes de guerre blindées là au lieu de nous. Alors, mon pet revient de la ville parce que j'avais fait un petit envoi de merdouille que j'avais dans mon équipement. Et puis là, on repart. Oula, un peu de monde. Alors, on va faire tout le monde et puis après on va essayer de descendre voir le général Grell là, je pense. Il y en a du monde. Ensuite, je pense qu'on va passer faire un retour en ville. Je sais pas si ça le fera automatiquement. Et si ça le fait pas, on ira voir parce que j'ai quelques petits trucs à acheter pour voir s'il n'y a pas des sorts intéressants, des équipements intéressants. Alors, on va descendre. Ben non, en fait, il faut que je passe par en bas. Youpi. Yeah. Alors, Riveng, champion Stormburn, lance des sorts de feu, se divise. Oh non. Alors, c'est super chiant les champions qui se divisent parce que du coup, on se retrouve avec deux champions. À se faire ensuite. On se calme. Et puis. Allez, on va le finir. Il est presque au bout. Ouf, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, ils sont moins forts, enfin, ils ont en tout cas moins de vie. Enfin, quand même. C'est quand même. Oula. Chiant d'avoir à faire deux fois. Un boss. Même trois fois, du coup. Oula, j'ai pas envie de prendre toutes les explosions d'un coup. Ça, c'est fait. On va passer par là. Alors on va arriver au boss. Je sais plus du tout quelle tête il a. Donc on va bien voir. Je vais juste checker mes potions. 16. On va dire que ça va aller. T'as quoi déjà comme sort mon familier? Invocation d'archer, grondement. Ah bah tiens, ça c'est pour toi. Invoque un guerrier squelette. Voilà. Puis après, j'ai boule de feu. Ouais, ça peut être sympa pour toi. Boule de feu, hop. Parce que le soin individuel, s'il me soigne pas aussi, c'est un peu la merde, quoi. Parce que je pense jamais à me soigner à part avec les potions. Voilà, voilà. Alors, donc, il y a juste. Tiens, il y a quelque chose de l'autre côté, on dirait. Il y avait une salle. Je sais pas comment on y accède. On y voit, on voit qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais je suis pas sûr. Hop, ça y est, je suis dans la zone du boss. Ah voilà, l'esprit d'eau est là. Et c'est lui. Ça, c'est le général qui garde l'esprit d'eau. Potion. J'avais peut-être pas le niveau en fait. Oh la vache. Il exagère pas celui-là. On va poser un truc pour attirer des. Général Stormburn, attaque explosive et tremblement. Oh. Oh la vache. Ça va, je lui fais bien mal. Oula.
au cas où. Ah, vache. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En plus, il y a les possédés à mes couilles là qui lancent des esprits. Oula! Ouf! C'était quoi ce truc? Je viens de voir ma vie faire zop. Ah, c'est heureusement que j'étais full life, hein, parce que là. C'était élimination directe. Hein. Voilà, c'est ça qui. Yeah, les porteurs de boucliers, ça y est, comme si. Comme s'il fallait ça. Ouais, pour retapisser les murs avec des ads de temps en temps. Il y a combien de général, faut que j'arrive à le cibler. Hop, 35 000 sur 51 000. Ça va, je commence à bien le descendre. Ouah, potion, urgence. Il y a... Faut que j'essaye d'utiliser mes autres sorts. Allez hop, un truc pour attirer. Voilà, 30 000. Waouh, je l'ai pas évité celui-là. Ah la vache, c'est chaud, hein, je vous dis. Ça rigole pas. Je vais essayer d'économiser mes potions de vie. Quand même. Aïe. Alors, 20 000 PV, donc moins de la moitié, c'est déjà ça. S'il pouvait tuer ses copains, ça serait sympa. Allez, hop, 16 000. Aïe. Peut-être que je les évite, c'est sacré coup. Ah, et puis ses coups de poing non plus, ça rigole pas. Hop, 13 000. Yeah, il y a des aides qui reviennent. Youpi. Désolé si je parle pas assez, je suis concentré quand même, c'est un boss, pas trop non plus que je fasse kéké. Yeah. 10 000. Non, non, non. Oh, ouais. On peut le faire, on peut le faire. Allez, il te reste plus beaucoup. T'es à 4000 et des patates, et tu viens de me tirer un gros coup. C'est pas une bonne idée. Allez, 1800, je peux pas mourir à 1800. Boum. Ah, une hache unique. Pff, aurait pas pu être un flingue unique. Ouais, pas facile quand même. J'ai obtenu des trucs. Ah! Est-ce que j'ai un morceau de l'ensemble du maître des gemmes? Ouais, ouais, je l'ai. Donc j'aurais un truc. Si je le mets, j'aurais plus 3% de vitesse d'attaque. Bon. C'était pas facile quand même. Petit coffre. Ah, c'est une trap. Alors, le coffre du boss avec toujours de la merde, fidèle à lui-même. Putain, il n'y a que les trucs mis par synergie qui ont des bons items à l'intérieur. Ça doit être la galère, le jeu originel, en fait. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis contente de vous voir. Nous sommes arrivés au moment où l'alchimiste soumettait le gardien, mais il nous a pris par surprise. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Grell et ses guerriers sont arrivés peu après que l'alchimiste soit parti.
Cela fait des années qu'ils essayent de rentrer et de piller ce lieu. L'attaque de l'alchimiste leur a finalement donné l'opportunité qu'ils attendaient. Cool. Toi, t'es le gardien de l'eau. Vous avez ma gratitude, mortel. Maintenant, écoutez attentivement. Un grand mal grandit ici. Les recherches de l'alchimiste pour trouver un remède à sa corruption de l'ambre l'ont emmené jusqu'au bord de la folie. Il absorba mon énergie pour augmenter la puissance du cœur d'Ordrak après avoir réduit Torchlight en cendres. Avec la puissance des gardiens, le cœur d'Ordrak pourrait détruire tout l'ambre du monde. Peut-être croit-il que ça pourrait le guérir. Alors, je comprends pas tout. Si quelqu'un peut me donner des explications, ça serait sympa. L'alchimiste doit être arrêté avant qu'il attaque d'autres gardiens. A chaque fois qu'il absorbe notre énergie, le cœur devient plus puissant et il devient plus dangereux. Vous et le commandant Val devez retourner à l'enclave estérienne et préparer votre prochaine opération. Alors, c'est quoi les items que je peux me filer? Des gants du sabot fendu. Ok. Ah, un pistolet. Le problème, c'est qu'il est encore plus lent. Je sais pas. Parce que, combien? 89 de dégâts. Dégâts physiques, plus 5 en recul. 7% de 17. Non, il est pas bon. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont le plus cher. 224. Bah, c'est ça. Ah, bah non, c'est une quête. Je suis bête. Portail vers la cité Sternen, ben voilà, c'est comme ça, on n'a même pas besoin de s'invoquer un nouveau portail avec le pare-chaud. Ils sont gentils. Enclave Estérienne. Apparemment, les choses ont empiré pendant que nous étions au bord du temps au temple de la source. Ce qui rend les Estériens malades se répand et progresse vers le nord. C'est là que s'est dirigé le grand régent. S'il a déjà atteint Gebois, il aura alors scellé les portes du temple par précaution. Ce qui signifie que le temple entier est peut-être devenu une zone complètement infectée au moment même où nous parlons. J'adore son flingue. Ok, ça c'est ce qui vend le plus cher. On prend. Ce fléau semble essentiellement cibler des êtres de nature magique, tels que les Estériens et les gardiens. Il n'a pas infecté d'humains jusqu'ici. J'ai donc envoyé un convoi chercher quelques fournitures médicales et je coordonnerai les secours. Pendant ce temps, vous devez aller au temple de Gebois. Prenez le col des corbeaux pour aller aux collines gelées. Essayez de rattraper le grand régent avant qu'il n'entre dans le temple. Ok. Alors, toi, faudrait que je range la quête depuis le début. Bravo, je suis sûr que le commandant Val n'aura pas d'objection à ce que je vous donne une récompense pour service rendu à l'Empire. Prenez ceci, c'est tout ce que j'ai. Mais sachez que vous avez toute ma gratitude. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû revenir pour aller prendre les items parce que, du coup, ils sont plus trop de mon niveau. Encore un ensemble du sabot fendu. Ah mais non, c'est le maître des gemmes que je cherche. 127 points de vie, taux de charge augmenté de 15%, plus 3% de vitesse de sort. Ça. Armure physique, 2 en force, 16 armures de poison, 6 points de mana. 'A pas non plus l'air d'être un truc de malade. Hein. Je vais prendre ça et je le revendrai. Ah, niveau amélioré. Hop, 2 petits points. Allez, on va essayer de mettre un petit peu équilibré. Et... petit point vie de plus, voilà. Ça fait combien de vie? 1175. Oh, c'est pas mal. Alors, je voulais juste mettre cet item-là. Pour détruire l'item et recevoir les gemmes. J'en avais pas d'autres. Non, c'est bon. C'est bon. Comme ça, je vais pouvoir ranger les gemmes. Si tu pouvais me les ranger au bon endroit, là. Tac, voilà, comme ça, ça va bien plus vite. Hein. Je fais shift et j'envoie tout. Alors, on va rapidement vendre les merdouilles. Ça, j'utiliserai pas, ça, j'utiliserai pas, ça, j'utiliserai pas. Ça, je voulais vendre. La hache. C'est le dernier mot. Un dernier mot ? Des attaques très rapides. Ah, c'est pas mal quand même. Elle est vraiment sympa comme hache quand même. Ah, je me tâte. Est-ce que je peux pas la garder un petit coup en remplacement d'un de mes flingues? Bon, on verra ça plus tard.
L'arbalète, on vire. Ça, je vire, je m'en servirai pas. Et puis, ça aussi, je voulais virer. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. J'évite de vous embêter trop longtemps. Bon, allez. Je regarderai plus tard, mais on va dire que ça, c'est déjà pas mal. Et pas mon familier qui avait des items. Non. Je vais racheter des potions. J'en suis à combien? 9, ouais. Je vais racheter des potions. Hop, 20. Il me reste combien? 26 000. Tu vendrais pas des sorts, toi? Ou il y aurait pas un vendeur de sorts? Ah non, je crois que c'est l'acte suivant, il y a un vendeur de sorts. Ok, ok. Bon. On est pas mal. Et on va... Ah non, attendez, il manque un truc. Les points de compétence. Alors... Ah, on peut... Glaive éclatant. Vous projetez violemment un glaive de lancer qui éclate à l'impact, laissant et ralentissant tous les ennemis dans les 4,5 mètres. Quoi, on en a 11. Pas mal de dégâts physiques. Des dégâts physiques sur le temps. Vitesse de déplacement réduite de 15% pendant 2 secondes, plus 4 en recul. Ah, c'est sympa. Hop, on va le mettre et on va le mettre sur 4. Et ça donne quoi? On voit l'impact? Ouais, c'est loin quand même. Ok, bon, bah c'est par là. Vers les collines gelées, le col des corbeaux. Je suis niveau combien? 13. Bon, bah j'ai pas vraiment de niveau d'avance en fait encore. J'ai encore de la marge avant d'être bien au-dessus. C'est parti, le col des corbeaux. Cette fois-ci, on va plus dans le nord. Après avoir fait des morts vivants et des ours bizarres, nous allons dans le nord. Avec des araignées. Attendez, on va essayer de... Ah d'accord, quand on le lance sur un ennemi, quand même, ça... Ça a un impact. Il y a du monde. On les voit pas, c'est des loups. Elite Frost. Voilà. Même pas, il y a du monde. Hop, on va ramasser un petit peu les sous. Comme d'habitude. Ah, youpi, un élite. On dirait un élite rajouté. Ouais, c'est un héros, donc c'est... Oula! Oula vache! Boum! Je t'ai ralenti. Ah, mais c'est un briseur d'armure. Il a armure breaker. En plus de ça, il inflige une blessure saignante. Bon. Si tu peux arrêter de me focus. J'ai l'impression qu'on danse. Dancing! Pardon. Ça y est, on t'a lâché que de la merde, je te remercie pas. On continue. On a vu, il y a eu des boules de feu qui étaient lancées par mon pet. Donc il lance bien automatiquement, parce que moi je n'y penserai jamais. Déjà que j'ai du mal à penser à utiliser mes techniques. Mais alors là, il y a des araignées qui sortent par les trous là. C'est mal entretenu ces routes. Grosse en plus. Hop. Je sais pas ce que j'ai ramassé, c'est un truc bizarre. Ah, je suis passé au Big Health Potion. Donc les potions sont encore plus grandes. Alors, ça y est, c'est bon, je peux y aller. Je finis celle-là. Tiens, il y a un aventurier mort là-bas. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh la vache, il y avait un squelette qui se cachait dans un pot. Un squelette qui était plus grand que le pot. Ah, il devait être bien plié. Hein. Attendez, ça y est, ça fait 20 minutes.
Fin de l'épisode. Ah, je sais, moi j'ai envie de continuer, moi aussi, je pense que je vais tourner la vidéo juste après. Ah là là, ça m'emmerde autant que vous, hein, le bip bip des 20 minutes, hein. Mais bon, je peux pas faire autrement. Si je veux garder un rythme normal. Bon, bah il y avait rien d'aventurier. Bon, bah ça permet de le tirer. Bah, j'espère que ça vous aura plu, on a fait je pense la moitié de l'acte, voire plus. Et puis on avance bien, c'est cool, y a pas trop de problèmes. Ouais, c'est pas mal. Ok, et eh ben n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, parlez-en autour de vous si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir me parler sur Twitter. N'hésitez pas non plus à faire tout ce que je vous ai dit. C'est un peu redondant, mais en fait, je viens d'oublier ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ok, et ben la prochaine fois, salut à tous !